Vous avez peur, hein? Bienvenue pour... Ah bah oui, mais du coup, j'ai pas fait... Hey! Bienvenue pour une nouvelle vidéo sur I Wanna Be The Guy. Voilà, je vais one-shot cet écran, voilà. Bon, non, oubliez ce que j'ai dit. Déjà, j'ai one-shot le saut, c'est déjà pas mal. Voilà, bon, j'espère qu'on va passer cet endroit qui a l'air un petit peu difficile. Ah, je me disais bien, c'était un coup de chance. C'était un coup de chance. Pas de panique, voilà. C'est bon. Mais... Oh mon dieu, c'est plus dur qu'on ne le croirait. On ne le pense. Boum. Alors, j'ai vu quelqu'un qui a dit une idée pas bête. C'est genre, je vais sur l'écran et je reviens en arrière. Mais je pense qu'il y a un piège, en fait. Vous voyez. Non, non. En fait, l'astuce, c'est de sauter lorsque la lame... En fait, la lame, elle arrive. Elle touche le bout de l'écran. Et... Non, en fait, à chaque fois, je me dis, je vais tirer. Et ça va heurter la lame, vous voyez. Et du coup, je pars d'un bon espoir de... Voilà, de... Exactement comme ça. C'est un peu relou, du coup. Il faut attendre que ça se recharge, puisqu'on ne peut pas tirer autant de fois que l'on veut. Voilà, merci. Voilà. Alors, l'écran suivant, on m'a fait remarquer, c'est exact, que la balle du truc rouge arrivait pas jusque le bout de mon écran. En fait, quand j'arrive dans l'écran suivant, je suis en sécurité. Mais je crois aussi que, en fait... Il pop, et le temps qu'il pop, j'ai peut-être le temps de le défoncer, en fait, vous voyez. Genre comme ça. Non. Vous voyez, là, je suis en sécurité. Non, mais je suis débile, punaise. Oh là là, mais n'importe quoi. Je me disais, je vais avancer lorsqu'il sera en haut. Mais du coup, ouais, j'ai pas pensé au fait que ça marche pas. Ah, du coup, je vais refaire ça, là, qui est dur. Et parce que... Merci. Ouh. 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 Punaise. Pourquoi j'ai fait ce saut en trop? J'ai... Ah, mais c'est trop dur. On ne peut pas réfléchir normalement. C'est impossible. Ça me stresse cet écran, vous pouvez pas savoir. Vous n'avez aucune idée. Oh là 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 là. Oh. Punaise, alors là je vais tenter le saut s'il y a un piège. Je deviens fou. S'il vous plaît, pas de piège. Je vais faire un sprint, les gens. Je vais faire un méga sprint. C'est parti. Sprint, saut. Oh oui. C'est beau! C'est beau, on a fait du progrès dans cet épisode en seulement 5 minutes, c'est un boss. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Bon, bon, attention! Il fonce dessus! What? Je ne comprends rien, écoutez. Ça se passe pas trop mal! Oh non! Ok, il grandit, ça devient le même truc, mais en puissance 10, quoi. Eh, c'est pas mal pour un premier jet. Je sais pas comment j'ai esquivé la pomme à un moment, mais c'est pas grave. Oups. Bon, quand il est petit, en fait, c'est un peu facile. Bien sûr. Merde, je regardais la pomme au-dessus. Vas-y, faut le toucher combien de fois? Il n'y a pas de barre de vie, mais normalement, il y a des barres de vie, non? Ah, c'est dans les wannabes de Boshi, les barres de vie, je crois. Je tire pas du bon côté.
Bro, bro, touche, touche, touche. Ouais, c'est le Dragon Rider, je crois, de... Ouah, la vitesse! Pardon! En plus, c'est simple, quoi. Faut juste avoir le réflexe. Il est trop près. En fait, à mon avis, il faut bien être sur les extrémités de l'écran. Ouais, mais si je suis à l'extrémité de l'écran, il peut me pouner un peu facilement. Oh, mince, 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 mince! Alors là, ça pue. Ça pue. Ça pue. Non! Parce que ouais, s'il lançait les pommes, j'étais mort aussi, donc c'était pas top. Ok, il commence direct par son attaque la plus chiante. Ok, il sait faire que ça. Aujourd'hui, il est dans un jour, j'ai pas envie de lancer des pommes. Voilà, 3 fois d'affilée. 4 fois d'affilée. C'est le bug, attention. En fait, quand il regarde vers le ciel, c'est que ça va forcément être le... Oula. Non, mais la pomme qui arrive au même moment, c'est encore un boss totalement random où il faut avoir de la chance parce que... Enfin, c'est pas qu'il faut avoir de la chance, c'est qu'il faut ne pas avoir de malchance. Parce que là, c'était de la malchance quand même. Pourquoi je fais ça, je ne sais pas. Mais oui! Mais bien sûr! Mais tous les jours! Mais comment vous expliquer que ça fait 2 fois qu'il y a une pomme qui est quasiment horizontale, quoi? C'est improbable. La probabilité est faible. C'est du random. J'aime l'aléatoire. L'aléatoire. L'aller! Bien sûr, je regarde devant et je lance derrière, c'est logique. Vous avez vu, là, il y a les balles rouges du bonhomme rouge de l'écran derrière qui joue. S'il pourrait juste lancer les trucs, ce serait parfait. Ouh! Oh oui! Ah mais non! Mais il est... Il fait apparaître le truc, il est tellement grand, je pensais que j'allais quand même avoir un petit peu de temps avant de réussir. À mon avis, il faut le toucher autant de fois la seconde fois que la première. Donc une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, oups, 6 fois. 7 fois. Je dois le toucher 7 fois, à mon avis. Une fois. Oh, what? 2 fois. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi il fait des trajets de 2 mètres? Je comprends pas. C'est même pas censé me tuer. Une fois. 2 fois. Oh là là, la vitesse, quoi! Les OMG! J'espère qu'il a pas d'autre face, quoi. Mais pourquoi tu t'arrêtes à mi-chemin? C'est pas ton but de me tuer? Si tu pourrais juste lancer tes trucs... Et puis il clignote. Le mec, il clignote parce que c'est pas assez facile, vous comprenez? Ah, parce que le mec, il s'est dit, pour que le joueur comprenne bien qu'il l'a touché, je vais le faire clignoter. Oui, le problème, c'est que du coup, vu qu'il clignote, ben, on voit pas bien des fois si on le touche ou pas. Oups. Non mais c'est quoi ces pommes? C'est quoi cette pomme? Ça c'est un mauvais truc de pomme. Oups. La blague. Ouais mais non, j'étais mort, c'était sûr. En fait il charge à la position où j'étais au moment où... Ouais mais non, mais vous avez vu la taille des pommes? Je vais jamais y arriver les gens. Je vais jamais y arriver. En fait, je sens que le coup, je vais y arriver, ce sera de la chance. Mais qu'est-ce que... Oui, mais... Oh!
C'était de toute beauté. Oh là, c'est le décès. Oh, oh non. Oh non. Oh non, mais allez quoi. Un peu d'indulgence. Mais bien sûr. Mais regardez, encore une pomme horizontale. Enfin, c'est des cerises, oui, je sais, mais arrêtez de... On s'en fout que ce soit des cerises et des pommes. C'était encore horizontal, quoi. C'est-à-dire, quand la pomme pote... quand la pomme pote, n'importe quoi. Quand la pomme spawn, en fait, il y a... Le mec tire au hasard un angle entre 0 et 90 degrés, ça veut dire que... J'estime que l'angle, voilà, il y a environ 15 degrés qui me font vraiment chier, vous voyez. Donc 15 degrés sur 90, ça représente très exactement un sixième. Donc ça veut dire qu'à chaque pomme... Ah, en fait, c'est chaud. C'est-à-dire qu'à chaque pomme... Ouais, ça veut dire que sur deux lancers de pommes, il y a forcément au moins une pomme qui va me faire chier. Oui, là, c'est pas une très bonne idée. Vous voyez, je l'ai pouné, là. Je l'ai mal game. En fait, quand il fait rien... Pendant trop longtemps, c'est que forcément... Allez, 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 on y croit. Y'a jamais eu de piège dans une salle de boss, de toute façon. C'est marqué quoi? Sérieux, si c'est un truc du genre « Dépêche-toi » ou « Vas-y lentement ». Ah, c'est un ascenseur. Ça bug. On a réussi. Oh mon dieu. C'était presque facile comme boss. Ah bon, on va arrêter cet épisode-là. 2181 morts, 8h22 de jeu. Cet épisode, je l'ai enregistré en 20 minutes. J'aime bien vous dire combien de temps j'enregistre, comme ça vous permet de voir par rapport à la taille de l'épisode. Vous dites, ah ouais, il est mort quand même. Genre 6 bonnes minutes qui nous a coupé. En fait, quand je dis que je coupe 6 bonnes minutes, c'est... par exemple, là, c'est un exemple. Imaginons, il manque 6 minutes par rapport au temps que je dis. Vous pourrez croire que c'est pas grand-chose, mais en fait, c'est beaucoup, parce que c'est des morts que vous voyez pas et tout. Et psychologiquement, c'est dur. Mais là, ça va. Franchement, aujourd'hui... j'ai pas trop ragé là sur ce boss, ça allait. Enfin bref, on verra la suite la prochaine fois, donc rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne, et bien plus.